Regardez-moi la taille de ce parapluie. Je pense que je vais abriter tout New York en dessous. Le truc qui fait un mètre, c'est un parasol. Là, les gars, on va imprimer un t-shirt. Canon. Là, c'est pas le t-shirt, hein, vous inquiétez pas. Bon, les amis, ce qui devait arriver arriva. Donc voilà, voilà, j'ai été faire un peu de shopping, le dernier. Je pense que demain, je vais encore aller me chercher une paire de Converse et ce sera terminé de ma carte et de mon compte en banque. Donc là, je vais commencer à faire ma valise. On vient d'entrer à l'hôtel. Demain, on a encore des trucs à faire. Puis ensuite, une fois qu'on aura fait tous les trucs avec Maybelline le matin, on ira à l'aéroport en début d'après-midi. Enfin, ouais, quand même, hein, en début d'après-midi. Et voilà. Sinon, la pluie toute la matinée, là. Hein. Du coup, j'avais tellement froid que je me suis acheté cette veste chez Forever 21. Alors, ça fait un peu bébé. Mais clairement, voilà, elle était mignonne. Elle est en côte... en velours, quoi, elle est côtelée. Et surtout, elle me tient chaud. J'ai caillé comme jamais. Donc, on a été chez American Eagle. Et du coup, il y a Harry. Et j'ai acheté ça. Oui, je sais, c'est très con. Mais ça m'a fait penser à Loulou. Et j'ai dit, oh, c'est trop mignon. En fait, c'est une petite plante comme ça. Et après, vous mettez de l'eau dans sa petite gamelle. Et elle lèche et ça nourrit la plante. Vous avez entendu quand même que j'ai donné à ce truc-là. Comme si elle existait vraiment. Comme Luna. Tu lui mets la langue dedans et puis elle lèche et machin. Bref, je vais mettre ça sur mon bureau, je trouve ça trop mignon et puis ça fera une petite déco en plus, cute quoi. Je me suis pris une grande, enfin des paires de chaussettes comme ça qui sont assez hautes et qui montent assez haut. Je me suis acheté des pulls parce que j'avais tellement froid. Du coup, j'ai pris un pull violet comme ça. En fait, il est hyper lavande, il est super mignon et il y a un petit col. Où est le cucu? Il est très très doux et ici en fait vous avez un col, voilà quoi, hyper sympa. Et alors j'en ai pris un deuxième, très doux aussi. En fait tous leurs pulls sont hyper doux. Donc là il est tout beige, tout simple vraiment, mais la douceur, je me suis dit que ça allait être sympa. C'est quoi ce truc RM? Mais voilà quoi. Bon, ce matin à la Maybelline House, j'ai eu cette palette là, c'est la Soda Pop et je la connaissais pas du tout. Et les couleurs sont juste, trop trop jolies. Je vous ferai un petit tuto avec celle-ci. J'espère qu'elle sortira en Europe parce que sinon c'est un peu ballot. Mais de toute façon en même temps c'est des couleurs qu'on peut un peu trouver. Alors ils m'ont trouvé ma teinte, donc moi je suis à teinte 220 chez Maybelline et là c'est le fond de teint Fit Me Matte Poreless, donc voilà. Je verrai bien, je crois que je l'avais il y a longtemps, je l'avais acheté, mais j'avais pas la bonne teinte, donc fatalement j'avais pas forcément aimé, vu que c'était pas la bonne teinte. Ensuite comme c'est les 90 ans de Mickey, j'ai acheté ça chez Target, oui c'est très con, mais voilà je trouvais que c'était mignon, et puis je me suis dit si j'ai faim dans l'avion ou je sais pas, quelque part, bref, je ne sais pas, voilà. Ensuite chez Target, j'ai acheté celui-ci, donc c'est un Maybelline Matte Ink, ouais. Et en fait ce matin, Adriana Lima nous disait que c'est sa couleur favorite, et c'est vrai que c'est une très jolie couleur, et en fait elle n'est pas disponible en Europe, donc voilà, je l'ai acheté avec Camille, et on est content. Chez Victoria's Secret, et Pink, c'était le carnage. Mais en fait, vous savez, vous avez toujours des offres, genre là c'était deux soutiens-gorge achetés, un troisième offert, le moins cher en fait était offert. Si vous achetiez des sweets, c'était 35$ au lieu de genre 50. Ce que j'ai pris, c'est celui-ci, c'est un vert sapin. Alors ici, ça ressort, mais alors complètement merdique avec la lumière. Et je trouvais qu'il était super joli et sur les côtés, c'est marqué pink. Et du coup, je l'ai payé 35$ au lieu de 50, quoi. Donc voilà, très contente. Voilà ce que ça donne. Finalement, j'aurais dû le prendre en S, mais bon, j'aime bien quand c'est un peu loose. Je l'ai pris en médium, mais je le trouve vraiment trop joli. En fait, il brille un peu, du coup, et ça, quand t'as pas envie de te faire chier pour t'habiller, franchement, c'est nickel. Donc, celui-ci en vert et argenté. Quand même, je me rappelais pas qu'il taillait si grand. Enfin, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Enfin, voilà, je le trouve quand même super sympa avec un jeans ou un legging ou peu importe. Voilà. Alors, mon gros coup de cœur, c'était cette couleur-là, ce jaune moutarde avec le truc argenté et noir. Comme ça, je trouvais ça trop joli. Donc, voilà, je l'ai pris en comme ça avec écrit pink. Franchement, je trouve que quand t'as pas envie de te saper, ça va. Bon, là, avec ma salopette, ça va pas du tout, hein, parce qu'on est d'accord que... Ça, c'est le violet que je viens de vous montrer. Vraiment, il est violet très, très clair. Il est hyper loose. Et ça, avec un legging et des petites bottines, ça va être nickel. Il est doux, mais tellement doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que ça taille grand, mais je fais pas gaffe. Et alors ça, c'est le beige tout simple. Il est tellement doux. Oh, vraiment, vraiment trop doux. Donc voilà. Franchement, je suis très, très contente.
mes achats. Surtout que j'avais froid, donc voilà. J'aime bien. C'est tout doux, je mets ça demain. Ensuite, en termes de lingerie, oui, hein, ne vous offusquez pas, hein, ça reste de la lingerie. J'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, il faisait 62,50$. Il est molletonné à l'intérieur, pour pas dire push-up. Et en fait, derrière, il est hyper bien décoré. Et comme j'aimerais bien avoir des pulls ouverts derrière. J'ai pris celui-ci parce que quand j'avais été à Las Vegas et à Los Angeles, j'avais pas trouvé ma taille. Et il est magnifique aussi. Il est comme ça. Et en fait, derrière, dans le dos, vous avez ça. Oh, je le trouve tellement beau. Avec un petit pull ouvert, c'est juste canon. Celui-ci, il faisait 64,50$. Et alors celui-ci, c'est celui que j'ai eu gratuitement, enfin parce que du coup le troisième était gratuit, il faisait 59,50$ et il est magnifique aussi. En fait, l'intérieur, le confort est tellement beau et en fait, vous voyez, il y a des paillettes sur les côtés, il est drapé, je le trouve vraiment magnifique. Alors j'ai pris que celui-là qui est assorti au 50, je vous ai montré tout à l'heure, qui est un peu en boxer, en fait qui reprend vraiment le dos du soutien-gorge. Je le trouve vraiment magnifique cet ensemble, il est trop beau.